En temps normal et tout au long de l'année, l'association Eva Sound Studio propose différents ateliers et interventions auprès de publics en voie de réinsertion professionnelle, re-sociabilisation, redynamisation. Que ce soit public de quartiers sensibles, de ruralité, personnes d'un certain âge qui souhaitent redonner un coup de boost dans leur vie, ou tout simplement personnes curieuses de développer de nouvelles compétences. Peu importe que vous soyez tatoué, percé, cheveux roses, blonds, bruns, de grande taille, de petite taille, avec des formes musclées ou sveltes, à pied, en fauteuil, à béquille ou avec une jambe en bois, on s'en fiche. Dans ce que nous faisons, nous nous adressons à chaque personne qui peut porter un intérêt dans nos valeurs de respect, d'ouverture, d'inclusion, de bienveillance. Je ne vais pas dévoiler l'intégralité des contenus de nos interventions, mais voici un résumé non exhaustif. La voix est un puissant outil de persuasion, de conviction, elle reflète la personnalité. Dans un atelier de mise en abîme radiophonique, Eva Sound Studio propose de travailler la voix, la diction, l'articulation, la respiration. Des interviews peuvent être réalisées ainsi que des scénettes théâtrales afin de casser ses propres préjugés, savoir se mettre en valeur et gagner en assurance. Pour lancer un premier élan dans les discussions autour du micro, on s'intéresse aux sujets d'actualité avec bienveillance et respect, débat argumenté et constructif avec une touche d'éducation aux médias et de sensibilisation face à la désinformation, l'idée étant d'échanger, de communiquer, mais aussi de savoir écouter l'autre. Pour les volontaires piqués de curiosité, il est possible de s'intéresser au matériel technique de la radio, câble, micro, console de mixage et plein d'autres choses. Mais aussi à la chaîne de construction d'une production radio, de la recherche documentaire à l'enregistrement, en passant par la réalisation, montage audio, jusqu'à la publication sur les réseaux. Pour les personnes qui se sentent à l'aise à la plume, on peut s'intéresser à la méthode de rédaction d'un article sur internet tout en faisant bien attention à la grammaire et l'orthographe avec la plus grande pédagogie possible. On peut également proposer un échange autour des licences libres et de leurs valeurs ainsi que des logiciels open source et autres alternatives pour maîtriser plus sereinement l'outil informatique. De même, afin de dédiaboliser le jeu vidéo et toujours de valoriser la confiance en soi et ses propres compétences, on peut proposer un moment de sensibilisation, d'observation et d'échange autour de la pratique du jeu vidéo. Et tout ça dans les valeurs de l'éducation informelle ou de manière indirecte au fil des discussions, comme on peut très bien le faire sur nos streams sur Twitch par exemple, et de l'éducation populaire. C'est une éducation qui dit reconnaître à chacun et chacune la volonté et la capacité de progresser et de se développer à tous les âges de la vie. Elle ne se limite pas à la diffusion de la culture académique, elle reconnaît aussi la culture dite populaire, la culture ouvrière, des paysans, de banlieue, etc. Elle s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, aux sports, aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique. Cette éducation populaire est perçue comme l'occasion de développer les capacités de chacun et chacune à vivre ensemble, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter, etc. Parmi les autres interventions d'Eva Sound Studio, on peut proposer de couvrir un événement privé ou public et proposer une émission ou reportage radio de ce moment-là, présence sur le temps de l'événement, plateau radio ou captation sonore et interview, dans les jours ou semaines suivantes, réalisation audio du format final à diffuser dans vos propres réseaux. Le contexte étant exceptionnel, si vous avez suivi la vidéo de présentation générale, vous avez pu comprendre qu'on n'a quasiment pas fait d'atelier lors de cette saison et la saison dernière, depuis le début de la crise sanitaire en fait. C'est pourquoi nous avons lancé notre campagne de crowdfunding et que nous comptons sur vous pour atteindre l'objectif et rêver en le dépassant. Le lien est dans la description ainsi que sur tous nos réseaux. Partagez l'information, participez à notre campagne, c'est très important. On compte sur vous pour repartir de bon pied la saison prochaine.